Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va faire l'ouverture. On est le lundi 15 mars, j'ai pas pu pêcher le week-end de l'ouverture. Donc c'est pas une rivière où il y a une grosse population de truites. Mais bon voilà, on va essayer de faire du poisson, tout simplement s'amuser, retrouver ces petites rivières. Et même si on prend pas de la truite, qu'on prend autre chose, bon, on sera quand même content. Donc voilà, allez, on prend la canne et c'est parti. Donc j'ai commencé à pêcher avec un chubby minnow en 3,5 cm donc de chez Ilex et j'ai remplacé les tripes par des hameçons simples sans ardillon. Donc on va commencer avec ça et on va voir si on peut. Oula, je m'accroche déjà dans l'épuisette et on va voir si on peut prendre quelque chose avec ça. Pour commencer, je vous mettrai les liens des leurres dans la description. Bon, je vais changer de leurre, je vais mettre une ARS comme ça de chez MEPS en taille numéro 2. Un peu plus lourde, parce que là il y a des zones beaucoup plus profondes. Et voilà, avec le poisson nageur je prends rien, donc on va tester à la cuillère. Pareil, c'est un hameçon simple sans ardillon. On va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai rien attrapé au coin précédent, donc là je suis monté plus haut sur la même rivière. Donc on est beaucoup plus en amont. Et voilà, donc, je vais essayer ici, j'en ai déjà pris des truites l'année dernière. Je sais pas s'ils en mettent ou pas, je pense, je sais pas du tout. Peut-être qu'ils en mettent, j'ai rarement pêché à l'ouverture, donc je sais pas s'ils font des lâchers. De toute façon, on va voir hein, si on peut prendre quelque chose. Je demande juste que de prendre quelque chose, j'ai pris pas mal de perches aussi ici, par là l'année dernière. Donc on va voir s'il y en a. Et puis voilà, on espère faire quelque chose ici parce que c'est le dernier spot de la journée. Oh oui, wow. J'ai raté un gros poisson là-bas. Ouais. Wow. C'est quoi? Putain, c'est une truite. C'est une arque. Je sais pas ce que c'est. Fais gaffe, j'ai l'hameçon simple. Ah, c'est une fario. Non, c'est une... Hop là. Bon. Bon, c'est une truite qui a été lâchée. Hein. C'est décroché dans l'épuisette avec la petite ARS et l'hameçon simple sans ardillon. Donc ça c'est une fario, mais c'est une fario qui a été lâchée, je pense. En tout cas, elle est très belle. J'arrive pas à savoir si vous pouvez reconnaître si c'est des trucs fario qui sont lâchés ou pas. Je sais pas du tout, je pense, moi, vu l'état des nageoires ici. Je suis pas sûr, donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, allez, on va la remettre à l'eau. Bon, je pense que la truite qu'on vient de prendre était une fario, mais c'est des farios qui lâchent à mon avis. Vu comment elle était faite, il n'y a quasiment pas de doute, je pense. Donc au pire, on va voir s'il y en a d'autres, hein, tant qu'à faire. On n'était pas venu pour ça, mais bon.
Ah, une perche. Il y a de la perche là-dessous. Je savais qu'il y en avait ici, j'en avais déjà fait l'année dernière. Si on peut en faire, c'est cool aussi. Ouais, ah, loupé. C'est la perche. Je pense que je vais changer de cuillère parce que je trouve qu'elle tourne mal. Peut-être mettre un petit poisson nageur là. Ouais, j'aime pas du tout comment elle nage. Bon, j'ai remis le petit chubby minot là de chez Ilex que PLC m'a envoyé. J'avais déjà essayé tout à l'heure sur la première poisson de rivière, j'avais rien pris. Donc là, il y a un peu plus de poisson, je vais réessayer avec. Là, c'est un spot où j'avais pris des grosses fario l'année dernière. Je vais vous mettre le lien de la vidéo sur l'écran si vous ne l'avez pas vu. Elles étaient énormissimes. Bon, c'est la fin de cette vidéo, ça n'a pas été terrible. On aura pris une truite, je pense une truite lâchée, une truite fario, en changeant de coin en fait, direct en arrivant sur le nouveau coin. Et puis après sinon rien du tout, même pas si on a raté une petite perche qui traînait là sous le pont. Mais sinon rien d'autre, donc c'était un peu, voilà, un peu compliqué. Je vais aller pêcher des rivières qui sont un peu plus, comment dire, où il n'y a pas de lâcher prochainement. Des rivières plus sauvages, des vraies truites fario, on espère en prendre un peu. C'est vrai que les niveaux sont assez hauts, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va pas désespérer, et puis on va y retourner très rapidement en espérant faire d'autres poissons et beaucoup plus de poissons. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao.